Salut. Gagné! Oh, t'es trop forte! T'as gagné? Oui. C'est là. C'est là quoi? Donc, gagné! Gagné! Oui! Tu refais gagner? Oui. Gagné! Gagné! Regarde la caméra. Gagné! Coucou! Encore? Oh, pardon. On lit l'histoire ou pas? Gagné! T'as tout gagné toi. Bravo! Ça. Oui, ça. Donc. Elle habite dans un château très souvent construit au Moyen-Âge. Oui. Un château. Oui. Depuis, le château a été transformé. On lui a ajouté des grandes fenêtres ou des bâtiments plus confortables. De nos jours, les princesses existent encore. Et fenêtres. Les fenêtres. Tu tournes? Tourne la page. Oui. Et fenêtres. Alors. Au temps des rois de France. Attends, écoute. Non, écoute. La princesse est éduquée soit dans un monastère par des religieuses, soit chez elle. On lui apprend à lire, à écrire et à compter. On lui apprend également l'art de la conservation. Papa, il n'arrive pas à lire. La conversation, la musique, le dessin ou la broderie. Elle doit posséder une solide éducation car elle peut remplacer son mari dans son rôle politique lors de son absence. Ah d'accord. Tu as un kaki. Cookie. Un dodo. Un cookie fait dodo. Et elle met ici, nous voit un papillon. Un papillon. Le robe, c'est une. Une robe. Deux, un. Et ici, un mauvais. Fini. Ça va? Oui, un tata. Non, c'est la chambre de mamie. Non. L'autre, un tata. Oui. Non, ma mamie. Un garçon. Tu vas descendre? Oui, ma mamie. Tu retournes aller voir?
attends, tu mets des cailloux, puis après, dans les trucs blancs, puis après, merci, et puis après, t'as un râteau. Ça, c'est du vin. C'est pas du vin. T'es un peu petit pour boire du vin, je crois pas. J'ai appris le verre. Allez, on a fini de le boire, comme ça, on s'en va. Tu veux que je te fasse ça? Hein? On va plus tard. Au revoir. Qu'est-ce que tu fais, Lily? Arracher. Tu ranges les courgettes? Oui. Oui. Maman, elle a coupé plein de courgettes? Oui. Parce que ce soir, qu'est-ce qu'on mange? Non. Et j'ai encore mon mascara qui a coulé. Et oui, j'ai encore pleuré avec les oignons. Et oui, encore maman. Oh, les oignons, ils sont pas cool avec maman. Bouh. Bouh, les oignons. Bouh. Oh là là! Donc maman, elle fait une soupe de courgettes pour ce soir. Et comme j'avais encore des courgettes, on en a coupé en plus. Et on les utilisera pour faire la sauce tomate. Comme ça, peut-être que demain soir, on mangera une pizza. Pizza. Ouais, et Lily, ça frotte les yeux. Hein, hein, les yeux, ça frotte. Maman, oh là là! Chiotte. Ouais, et là-bas au fond, qu'est-ce qu'on voit? C'est quoi là-bas? C'est quoi? Les sapins. Les sapins de? Sapin. Et oui, il y en a un deuxième là-bas. Okay. Il y en a deux. Bébé. Il y a un bébé sapin. Un papa. Et il y a le papa sapin. La voilà. Maman. Et la maman. Ah bah oui, il en manque un. Faudra le dire à papa. Oui. Il faut qu'on en mette un en plus en bas. Oui. Maman, elle aimerait bien en plus en mettre un en bas dans l'entrée. Après. Bah oui. L'année prochaine peut-être. Eh oui, allez, on vous dit à tout à l'heure. On va aller installer le... Papa et Lucas, ils sont partis chercher le... Comment ça s'appelle? Le train. On va voir s'il passe sous le sapin. Ça va être un essai, on va voir. À tout à l'heure. Ok. Thank you.
Bah, je pense que t'aurais pris de l'avance. Mais elle a fait une salut. Alors on a mis le train. On a mis les deux sapins. On parle à Boudelin maintenant. Des petites pizzas. Tu leur fais voir le petit. J'ai fait voir déjà. Le gros. La crème des enfants. Ok. Ok. Oh, regarde comme ça a l'air bon. Pareil. Ah ouais. Une cuillère. Ouais, mais puis bon, la lumière, c'est pas.